Une augmentation des effectifs dans les services d'urgence au niveau national, une reconnaissance salariale du personnel, principalement sur ces deux points-là, et bien sûr sur la qualité de la prise en charge dans son ensemble. Actuellement, il y a 4 postes à pourvoir d'infirmiers aux urgences de Besançon. La direction a du mal à trouver du personnel. Les gens ne veulent plus venir à cause des conditions de travail, c'est ce qu'on nous dit. Les gens qui viennent au bout de 2 mois repartent parce que le travail est trop dur, que la qualité de prise en charge est tellement dégradée que c'est invivable pour le personnel soignant. Bon, la sécurité des patients n'est pas en danger. Pendant la grève et en dehors de la grève, les patients sont en sécurité, mais la qualité des soins n'est plus au rendez-vous depuis de nombreuses années et tend encore à se dégrader.